Donc, merci pour l'invitation qui m'a permis de commencer à réfléchir sur cette question du genre et du génie. Je vous remercie d'avoir précisé aussi que l'invitation était tardive, puisque ce sont des réflexions qui ne sont pas mûries que je vous présenterai. Mais je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui. Je commencerai par la maxime 67 de La Rochefoucauld. La bonne grâce est au corps ce que le bon sens est à l'esprit. Cette maxime donnera lieu à un échange passionné entre Corbinelli, Bussy-Rabutin et Madame de Coligny au sujet de la différence entre bonne grâce et bon air, bon sens et jugement, raison et bon sens, excusez-moi, génie et talent. Nous croyons tous, répondra Bussy-Rabutin dans une lettre du 30 décembre 1678, et je cite, que la bonne grâce est naturelle et que le bon air est acquis, comme le génie est général et que le talent est particulier. Cette analogie, me semble-t-il, inscrit la notion de génie au sein d'une problématique ou d'une nébuleuse plus large, qui touche non seulement l'inclination naturelle de chacun, mais aussi à la grâce, la présentation de soi, l'attitude du corps, l'honnêteté. Du reste, certains manuels de civilité rapprochent le génie et le tempérament. Morvan de Bellegarde parle des manières qui ne conviennent pas au génie et au tempérament des hommes, par exemple. Afin de préparer cette conférence, je suis d'abord retournée à mes corpus habituels, constitués de manuels de civilité, d'écrits de morale, de textes de médecine et de traités des passions. Bien que je n'ai pu faire un relevé exhaustif, il n'en reste pas moins qu'on retrouve une écrasante majorité d'occurrences associant le terme « génie » aux hommes, et lorsque le terme est associé à la femme, c'est souvent pour réaffirmer que le génie ne pourrait être que masculin. Oserais-je citer l'alphabet de l'imperfection et de la malice des femmes de Jacques Olivier, pour qui le génie des femmes se résume au génie de la tromperie? Ou encore La Bruyère, qui affirme que les femmes se sont elles-mêmes établies dans cet usage de ne rien savoir ou par la faiblesse de leur complexion ou par la paresse de leur esprit ou par le talent et le génie qu'elles ont seulement pour les ouvrages de la main. Ce silence sur les rapports entretenus entre les femmes et le génie me contraint donc à braconner sur des terres étrangères, voire des terres inconnues. À défaut d'une définition précise et opératoire du génie féminin, je propose donc un parcours sur des travaux déjà anciens, sur des travaux actuels, parcours dans lequel je tenterai de faire entendre les discours tantôt muets, tantôt franchement assumés au sujet de la nature des femmes, de leur tempérament et de leur passion. Passion qui, du reste, ça m'a frappée, on définit aussi comme le génie comme une inclination. Et aussi, je traiterai des efforts, évidemment, de régulation sociale qui se sont exercés sur elle et de l'art, voire du génie, à la fois de se soumettre aux règles de civilité et de les contourner. Les théories du genre socialement construites dans le champ des études féministes ont été, on le sait, des réactions aux différents discours qui supposent que l'anatomie et la biologie de la femme détermine un devoir-être normatif. Qu'il s'agisse de qualité ou de défaut, de vice ou de vertu, ou encore des passions. Les idées sur les femmes qu'on retrouve pendant tout le 17e siècle sont en effet fortement soutenues par les théories médicales, qui s'appuient sur des définitions essentialistes du rapport entre les sexes. Pour le médecin Marin Curot de la Chambre, sur lequel j'ai beaucoup travaillé, qui reprend la théorie humorale, la femme est froide et humide, tandis que l'homme est chaud et sec.
De là, il s'ensuit que l'un et l'autre sexe ont des dispositions différentes. Alors que l'homme, et je cite Cureau de la Chambre, est fort, hardi, glorieux, magnanime, franc, libéral, clément, juste, constant, patient, fidèle et judicieux, la femme, en revanche, est faible, timide, soupçonneuse, défiante, rusée, dissimulée, flatteuse, menteuse, babillarde, aisée à offenser, vindicative, cruelle en ses vengeances. Certes, le portrait est peu flatteur, mais ses dispositions trouvent leur justification dans la perfection d'une nature qui saurait ce qui convient à chaque espèce. Le corpus de la querelle des femmes qui oppose les pourfendeurs du sexe avec une majuscule, hein, comme il est alors coutume d'appeler les femmes, à ses défenseurs abonde de références à la nature faible de la femme. Si l'esprit n'a pas de sexe, comme le souligne Poulain de la Barre, et j'ai vu qu'on en parlera tout à l'heure, il reste que bon nombre de moralistes, théologiens, philosophes, médecins et courtisans s'empoignent pour déterminer le tempérament qui caractérise chaque sexe. Or, ce même modèle médical se retrouve dans de nombreuses formes de discours. Il vient, par exemple, soutenir le modèle patriarcal du gouvernement. Le cardinal de Richelieu, pour ne citer qu'un exemple parmi tant d'autres, soutient que les femmes agissent sous le joug de la faiblesse, de la passion et de l'irrationnel et qu'elles ne peuvent à ce titre gouverner. Je cite, « Le gouvernement des royaumes requiert une vertu mâle et une fermeté inébranlable. Les femmes, paresseuses et peu secrètes de leur nature, on a vu qu'elles étaient babillardes tout à l'heure, sont si peu propres au gouvernement que si on considère encore qu'elles sont fort sujettes à leur passion et par conséquent peu susceptibles de raison et de justice, ce seul principe les exclut de toute administration publique. » Hein, ce à quoi un défenseur de l'égalité des sexes, comme Pierre Lemoine par exemple, répondra que les États ne se gouvernent point par la barbe. On retrouve cette même idée dans les poétiques du XVIIe siècle qui s'occupent du rendu du caractère. On sait qu'Aristote exigeait déjà de représenter les caractères au nom de la vraisemblance. Dans sa poétique, Jules Pilet de la Ménardière cherche à exprimer clairement, et je cite, les caractères dans les divers tempéraments qui, dit-il, distinguent ces deux sexes. Chez lui, les hommes seront solides, rudes, hardis, généreux, chagrins, refoulés, avares, prudents, ambitieux, tranquilles, fidèles et laborieux. Les femmes seront dissimulées, douces, faibles, délicates, modestes, pudiques, courtoises, sublimes en leurs pensées, soudaines dans leurs désirs, violentes dans leurs passions, soupçonneuses dans leur joie, jalouses jusqu'à la fureur. Les passions auraient donc un sexe et or cette exigence d'exprimer les caractères en fonction de la différence des sexes est souvent subordonnée à celle d'exprimer la différence des conditions sociales. Nombreux sont les auteurs qui, comme André Philibien, qui est alors secrétaire à l'Académie royale de peinture et de sculpture, soutiennent que parmi bien d'autres différences que doit observer le peintre, il ne faut surtout pas oublier celle-là. Car il est certain, dit-il, que la colère paraît autrement exprimée sur le visage d'un honnête homme que sur celui d'un paysan. Qu'une reine s'afflige d'une autre manière qu'une villageoise. Que dans les mouvements du corps, aussi bien que dans ceux de l'esprit des personnes que l'on peint, il doit y avoir de la différence. La critique, d'ailleurs, a longtemps perçu la différence des conditions sociales comme étant première ou prioritaire par rapport
à la différence des sexes. Mais comment dès lors concilier l'expression de passion typiquement féminine avec l'exigence d'exprimer une distinction aristocratique? On peut en effet se demander dans quelle mesure le rang et la naissance ne divisent pas plus que ne le font le sexe ou le genre. Alors que certaines passions se voient généralement attribuées aux hommes et d'autres aux femmes, il n'en va pas de même de la colère, et c'est la passion sur laquelle j'ai travaillé récemment, celle-ci se faisant généralement sentir chez tous. Toutefois, la colère des femmes est différente de celle des hommes, alors que celle de l'homme s'approche du courage, de la hardiesse, car elle a, et je cite les textes, le goût de la victoire et souhaite se soulever contre le mal. Celle de la femme est excessive, non maîtrisée, elle s'approche de la fureur et vient de la faiblesse de l'esprit. Je cite ici Morvan Bellegarde dans ses réflexions sur le ridicule et sur les moyens de l'éviter. Les femmes ne sont pas naturellement ennemies des disputes, des querelles, des brouilleries, du divorce. Elles aiment le tumulte des procès, qui nourrit le penchant qu'elles ont à quereller, à haïr, à médire. Afin d'examiner donc cette question, j'étudierai la colère au féminin à partir de deux exemples. Il s'agira d'une part de voir comment les conventions sociales sont interprétées comme relevant de la nature ou émanant de la volonté divine, c'est-à-dire immuable et irréversible. De l'autre, je tenterai de montrer de quelle façon on en arrive à constituer une sorte de topic, voire une anthropologie de la colère féminine qui ne montre pas la femme, mais qui l'invente et la définit à travers un présumé regard savant. Premier exemple, Mademoiselle de Montpensier. Fille de Gaston d'Orléans, elle est une des plus titrées d'Europe et l'une des plus grandes fortunes de France. On connaît surtout la grande mademoiselle en raison de son rôle lors de la Fronde. On connaît aussi son amour des portraits littéraires avec la parution de divers portraits et du recueil de portraits et éloges, tous deux publiés en 1659. Dans les divers portraits, du reste, c'est à Segret qu'on confie le portrait de mademoiselle. Ce grec qui souligne son génie pour la louanger. Pour mieux représenter par quels charmants accords un si puissant génie anime un si beau corps, exprime comme un mot de sa bouche éloquente, peut calmer la fureur d'une foule insolente. Fait que l'on pense voir un grand peuple irrité s'adoucir à l'aspect de tant de majesté. Ce qui est intéressant, il me semble-t-il, c'est que d'un côté, on la décrit comme pouvant apaiser la colère, et de l'autre, elle va se décrire dans ses mémoires comme une femme colérique. En effet, la grande mademoiselle ne se lasse pas de décrire son engagement politique et ses succès lors des combats de la Fronde. C'est une fidèle lectrice des romans de Gomberville et de la Calprenède. Et les commentateurs n'ont pas cessé de remarquer combien ces mémoires sont imprégnées de culture romanesque. Je ne reviendrai pas ici sur cette question. Je voudrais plutôt m'attarder sur le lien établi entre colère et héroïsme. On sait que la représentation du héros en colère correspond à un idéal masculin, dont l'origine remonte à Homère, plus qu'à Agamemnon, plus que Diomède, ou même que le bouillant Ajax. Achille est en proie à la colère parce qu'il est le guerrier par excellence. Or, le fait que cette colère repose sur un modèle masculin ne semble pas importer dans la description que Mademoiselle fait d'elle-même. En effet, même si elle souligne que la guerre
et le discours sur la guerre sont des sujets de discussion qui ne lui conviennent pas en tant que femme, son appartenance à la plus haute condition sociale et surtout la conscience de cette condition l'élève au-dessus de la différence des sexes. Je cite, « Je suis fort méchant ennemi, étant fort en colère et fort emporté. Cela joint à ce que je suis né peut bien faire trembler mes ennemis. Mais, ajoute-t-elle, j'ai aussi l'âme noble et bonne. Je suis incapable de toute action basse et noire. Je suis plus propre à faire miséricorde que justice. » La grande mademoiselle parle-t-elle en femme, se demande Myriam Maître. Certes, mais peut-être pas principalement. Elle adopte le modèle du héros guerrier qu'elle adapte aux femmes ou du moins à elle-même. La colère est ici présentée comme une caractéristique positive de l'héroïne qui, bien sûr, doit avoir d'autres qualités. La miséricorde, le courage, la bravoure lui servent en effet à mettre en scène une colère noble qui s'oppose à la tyrannie du despote. Elle fonde son identité en premier lieu sur sa naissance, mais la colère occupe une place importante. Mais cette colère a aussi son revers. L'autrice tente de se décrire comme une femme forte tout en exprimant le paradoxe de sa situation. D'une part, elle est au sein de la maison royale. À ce titre, elle appartient donc formellement au pouvoir. De l'autre, elle est soumise aux décisions du roi pour son éventuel mariage. De ce point de vue, cette mise en scène de soi entre en réelle opposition avec le manque de pouvoir effectif des femmes. Il en va tout autrement chez Madeleine de Scudéry, ce sera mon deuxième exemple. Les commentateurs n'ont pas cessé de remarquer que l'apparition de Clélie marque un clivage entre la première moitié du siècle, où l'héroïsme féminin et les nombreuses galeries de femmes fortes dominent, et la seconde caractérisée par ce qu'on appelle communément la démolition du héros. Une Madame de Saint-Balmont, par exemple, est déjà perçue comme une héroïne d'un autre âge, comme le souligne Micheline Quénin dans La dernière des Amazones. La cour ne fait désormais qu'une place secondaire aux vertus guerrières des femmes héroïques. Les textes de Madeleine de Scudéry forment un véritable laboratoire permettant d'examiner les passions au féminin dans une société désormais fondée sur l'idéal de l'honnêteté qui préconise d'abord et avant tout le contrôle et la modération, et en particulier la modération des passions. D'une première manière, la colère est légitime dans les aventures amoureuses, ou lorsqu'on est offensé, lorsqu'on a été trompé, ou encore pour protéger sa réputation. Puisque, comme le personnage d'Hermélie le souligne dans Clélie, c'est la seule chose qui peut nous servir de défense. Toutefois, je cite le texte, il faut se mettre en colère doucement. Que la femme n'en change point de teint, que ses yeux ne perdent pas leur douceur. On reconnaît l'idée de Sénèque, pour qui la colère défigure les plus beaux traits et donne un air farouche aux physionomies les plus calmes. Chez Sénèque, l'enlaidissement provoqué par la colère est général et non pas réservé aux seules femmes. Mais, pour poursuivre la démonstration, je ferai appel à un autre texte publié 20 ans après le dernier tome de Clélie. Il s'agit d'une série de 10 volumes intitulée « La morale du monde » ou « Conversation » dans lesquels l'autrice reprend et remanie quelques-uns des passages dialogués de ses romans sur des sujets de savoir-vivre, de morale et de poétique.
Le premier tome est consacré aux passions, espérance, envie, paresse et colère, et la conversation se déroule entre hommes et femmes. Le chapitre sur la colère reprend le topos de la beauté ou de la colère qui défigure. Alors que la patience, vertu féminine par excellence, et je cite, sied mieux à une dame car elle ne gâte point la beauté. Elle s'accommode sans peine avec la modestie de son sexe, elle conserve toute la liberté de la raison, elle n'agrandit pas les sujets de plainte qu'on peut avoir et sert plutôt à apaiser le cœur qu'à l'irriter. La colère, à l'inverse, et je cite encore une fois le texte, défigure la beauté même. En effet, je vis il y a quelques jours une femme qui devint laide en presque un instant par emportement de colère et qui le fut pendant plus de 4 heures. Une autre citation tirée de Clélie cette fois, les lys et les roses de son beau teint se confondaient de telle sorte qu'on ne la discernait déjà plus, car elle était toute rouge. Le blanc de ses yeux n'était plus tout à fait blanc. Elle les avait grands et plus grands qu'à l'ordinaire. Ils étaient pourtant troublés, égarés. Elle regardait comme si elle n'eût point vu. La bouche lui avait changé de couleur. Elle redisait 20 fois la même chose et ressemblait bien plus à une bacchante en fureur qu'à une modeste romaine. Dans ce portrait, les traits de l'excès, les yeux trop grands, de la perte de raison, les yeux troublés, égarés, de la métamorphose, la bouche qui change de forme, transforme la colère en une sorte d'allégorie, d'incarnation de la folie furieuse, hein, telle une bacchante, la faisant du coup étrangère à elle-même. Du reste, les textes utilisent souvent le terme s'emporter, qui en appelle à l'image du transport, du déplacement hors de soi. De ce point de vue, il ne sied donc pas à une honnête femme de se donner en spectacle, car son sexe exige de la retenue et de la modestie, si bien que la colère se trouve à l'opposé de la civilité féminine. Je cite la morale du monde, il faut leur permettre un peu de chagrin, mais non pas d'emportement. En vérité, si on a un grand esprit et un esprit bien fait pour retenir la colère, c'est une dangereuse habitude, surtout pour les dames. J'ai vu quelquefois de belles affligées et de belles larmes, mais je n'ai jamais vu de belles en colère. Comme on le voit, les motifs qui légitiment la colère appartiennent la plupart du temps à la sphère privée et n'entraînent aucun désordre dans la vie publique ou politique. Or, il est néanmoins intéressant de remarquer dans cette construction sociale des passions de la femme que dans les portraits qu'elles font d'elles-mêmes, les femmes atténuent souvent les marques de cette passion afin de correspondre à un idéal en choisissant des termes et des marqueurs linguistiques qui soulignent d'abord leur douceur. Madeleine de Scudéry, dans ses conversations, prend soin, par exemple, d'indiquer que la colère prit Cléone toute douce qu'elle est, comme pour signaler que cette colère a un juste motif et qu'elle est surtout ponctuelle, exceptionnelle, loin de la véritable nature de la femme. Alors que dans Clélie, elle souligne que cette même Cléone, qui est naturellement fort douce, s'irrita de ce qu'il lui dit. Un autoportrait, pardon, de Mademoiselle de la Trémouille, qu'on retrouve dans les divers portraits, me semble exemplaire, puisqu'il réussit à transformer la colère en simple dépit ou en simple impatience. Je cite, Et quand on m'a donné un juste sujet de me fâcher, je témoigne si peu ma colère que personne ne la saurait remarquer que par mon silence. Mais pour ce qui est de cette sorte de dépit
qui ne s'attaque à personne et qui n'est qu'une certaine impatience vive et prompte de voir que les choses se font ou se disent autrement qu'il ne le faut, je le cache avec plus de peine et n'en suis pas si maîtresse que je devrais. La colère devient une impatience. Les femmes cherchent donc à contourner les vices et les défauts attribués à leur « nature », entre guillemets, évidemment, en amoindrissant les traits de la colère excessive pour donner une image maîtrisée d'elle-même. Le génie résiderait peut-être alors dans cette capacité à maîtriser non pas tant la colère, mais bien les signes de la colère, maîtriser une image de soi. Comme le souligne Balthazar Gracian dans un chapitre de l'Homme de cour intitulé « Connaître parfaitement son esprit, son génie, son cœur et ses passions », quand l'image extérieure s'échappera, poursuit-il, que l'intérieur la retienne et la corrige. Alors, je n'ai pas retrouvé le même genre de citation associant génie, esprit, cœur et passion dans les manuels de civilité destinés aux femmes, mais je poursuis encore ces recherches. Mais sous ces apparences se dissimule, une colère secrètement nourrie dont le brusque surgissement ne prend pas toujours le même aspect. Elle couve, se déclenche, évolue, agit, se défait, et s'il faut la dominer, cette colère, c'est essentiellement pour en faire usage. Certes, la modération est un idéal auquel doivent tendre les deux sexes, mais la colère masculine est en effet d'emblée dépeinte comme raisonnable, sérieuse, noble, maîtrisée, alors que la colère féminine risque d'être grotesque, voire associée à la folie. La colère, toujours dans Clélie, la colère leur fait faire quelquefois de si bizarres choses que la folie ne fait guère pis. Elle s'oppose, comme on l'a vu, à la patience, à la douceur. De ce point de vue, sans doute faut-il rappeler que dans le vocabulaire des moralistes du XVIIe siècle, la colère est souvent nommée promptitude. Une promptitude en quelque sorte trop prompte, hein? Contraire à la patience, car celle-ci ne prend pas le temps de la réflexion. À la fin de ce parcours, quelques dernières remarques s'imposent. Les représentations de la colère féminine qu'on retrouve dans les textes qui m'ont servi d'exemple sont solidaires des textes théoriques et surtout des textes médicaux qui circulent largement au XVIIe siècle. Tout un ensemble de savoirs scientifiques, médicaux vient s'allier à un ensemble d'objets, de pratiques pour soutenir la production ou l'invention d'une image de la femme en colère. Cette assimilation topique entre femme et colère peut être employée au besoin pour des arguments qui me semblent diversifiés. Tantôt, elle permet d'étayer un réquisitoire misogyne contre les femmes en ajoutant un vice à la liste de leurs défauts. Tantôt, elle vise à convaincre les hommes d'abandonner une émotion qui n'est pas de nature à flatter leur virilité. Je vous inviterai à lire de l'excellente thèse qui sera publiée, je crois, de Justine Le Floch sur la colère au XVIIe siècle. Codifiée ou non, artificielle ou naturelle, dissimulée ou feinte, la colère féminine se déploie de concert avec l'apparence et avec une représentation indissociable d'une pratique. À défaut d'être géniale, au sens où l'entendent les médecins, les femmes épousent, adoptent, adaptent, transforment, tentent d'inverser les codes sociaux, rhétoriques et esthétiques au profit d'une pratique, voire même de ce qu'on appellerait une performance. Mais il reste que tous n'ont pas droit à la colère, ou du moins à la même colère.
Sur cette question, un autre passage de la Clélie me semble tout à fait exemplaire car il exprime une certaine frustration des femmes à être jugées selon des critères différents. Il s'agit de la liste de soins respectifs des hommes et des femmes qu'un personnage du roman a établi après avoir consulté les autres membres de la compagnie. La répartition se trouve équitable et c'est sans surprise que tout en haut de la liste des femmes, on retrouve le désir d'être la plus belle du monde. À peine quelques lignes plus loin, les femmes, et je cite, « souhaitent d'être un honnête homme au lieu d'être une honnête femme ». La colère, on le voit, est ainsi faite de rapports de force ou de faiblesse entre les sexes, aussi de rapports qu'entretiennent les femmes vis-à-vis elles-mêmes. Il n'est donc pas étonnant, et je terminerai sur cette citation, que le personnage de Tully envie cette liberté qu'ont les hommes. Je cite, « J'en vois même quelques-uns de qui la colère et la vengeance me semblent encore dignes d'être enviées. Car enfin, on ne trouve point étrange qu'un homme soit sensible et qu'il se venge. Et on ne peut presque pas souffrir qu'une femme se plaigne de rien. Ou si elle se plaint, il faut que ce soit doucement, qu'elle n'en change pas de teint. On dirait que la nature nous a fait insensibles vu les lois que la bienséance nous impose. » Voilà, je vous remercie. Merci, merci beaucoup Lucie Desjardins pour cette intervention. Alors, j'ai même quelques questions, mais avant je voudrais demander de manière générale à la salle s'il y a des remarques, s'il y a des questions, et voilà, si vous pouvez rebondir aussi à chaud, sans vous mettre en colère de préférence, sur cette première intervention s'il vous plaît. Non ? Alors, je vais commencer du coup. Je ne crois pas avoir loupé quelqu'un dans la salle. Non, c'est bon. Oui, pardon, on me souffle dans l'oreillette, effectivement, qu'il est possible de poser des questions soit directement, hein, en levant la main, voilà, ou en posant une question dans le chat et qu'elle soit ensuite répétée par un modérateur ou une modératrice. Voilà. Pour tout le long de la journée, vous pouvez poser vos questions, du coup, même pendant la présentation et qu'elles soient ensuite répétées au moment des panels de questions. Pour autant, moi, j'ai deux, trois choses que j'aimerais mieux comprendre, peut-être. J'aimerais savoir, tout à l'heure, quand vous parliez de Richelieu. Voilà, moi, j'ai trouvé ça assez... c'est assez amusant, en fait, hein, malgré tout, de voir Richelieu. En fait, pourquoi est-ce que le cardinal de Richelieu fait même, ne serait-ce que l'effort de parler des femmes en termes de gouvernement à ce moment-là? Bonne question. C'est une bonne question parce que je crois qu'il aurait pu tout simplement se reposer sur la loi salique et dire bon et omettre de parler de ces questions, mais je crois et c'est un prochain ou un sujet de recherche à venir, les femmes et le pouvoir pour moi, cette relation femme pouvoir passion. Parce que j'ai trouvé, et il n'est pas le seul, hein, j'ai trouvé une série d'exemples sur ces questions. Les femmes, et c'est tout le réquisitoire pour les femmes de la première moitié du siècle, s'appuiera sur les passions des femmes. Les femmes sont incapables de modérer leurs passions. Les femmes, c'est l'excès. Donc, à cette question, pourquoi le cardinal de Richelieu? Je ne suis pas spécialiste de Richelieu, mais ça m'a surpris aussi de voir, en fait, ce qui m'intéresse de voir, c'est de voir comment cette question s'immisce dans toutes sortes de formes de discours et qu'elle rayonne, cette question de l'impossibilité des femmes en raison de leur faiblesse, hein, faiblesse, donc, comment dirais-je,
Théorie des humeurs, tempérament, tempérament, faiblesse, faiblesse, certaines passions, et hop, on en déduit toutes sortes de choses. Et ça, ça m'a vraiment, comme je dis là, de plus en plus, je commence à travailler sur les femmes et le pouvoir, et comment, pour exclure les femmes du pouvoir dans certains textes, on fait reposer l'argument sur des définitions essentialistes. Et voilà, c'est tout ce que je peux répondre, hélas. Sans doute faudrait-il voir ou consulter ou poser la question à un spécialiste ou à quelqu'un qui s'y connaît mieux que moi sur Richelieu. C'est tout simplement que cet extrait m'est apparu, mais formidable. Ouais. Ah oui, c'est sûr qu'il était tout à fait dans le thème. Oui, je vois une question, excusez-moi, Madeleine. Bonjour. Donc, bonjour. Merci beaucoup pour votre communication qui était très intéressante. Et effectivement, l'exemple de la colère est un très bon exemple pour montrer comment est-ce que le génie, si un génie féminin, peut être dans cette capacité de maîtriser cette image de soi. Et à ce moment-là, effectivement, les femmes ne sont pas vraiment géniales au sens où l'adjectif est employé pour les hommes au XVIIe. Oui. Mais il me semble qu'elles font vraiment preuve d'ingéniosité et de ruse, plus proche du sens d'engin. Et en fait, à ce moment-là, en fait, ça m'est venu à l'idée quand vous parliez de Mademoiselle de Montpensier. En fait, elle a presque un génie militaire, cette femme, oui, qui serait un génie militaire qu'elle aurait pu apprendre. Donc, en fait, je me demandais si vous seriez d'accord pour dire que le génie féminin au XVIIe siècle, il est plus proche du génie militaire ou de la figure de l'ingénieur, qui sont des figures du génie qui apparaissent plus, enfin, quand on en avait parlé à la dernière journée d'études, on s'est aperçu que c'était des figures de génie qui apparaissent un peu plus tardivement, et donc en fait qui sont peut-être beaucoup plus modernes. C'est peut-être pour ça qu'elle commence un peu à effrayer Richelieu. Bon, là, j'essaie de faire un lien avec la question d'avant. Mais en fait, c'est quand même des figures de génie qui sont plus modernes que le génie masculin, qui est un génie inné, inspiré, etc. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, je suis assez d'accord. Merci pour le terme ingéniosité à propos des femmes. Je crois en effet que c'est le bon terme. Plus que de génie, Mademoiselle de Scudéry, on le sait qu'elle a certaines revendications féminine ou féministe, et j'étais déçue de trouver chez elle qu'elle loue le génie de Ronsard, par exemple. Donc, elle loue le génie des hommes malgré tout, au sens où on l'entend maintenant. Génie militaire. Ah, tiens, c'est une question intéressante. J'ai délibérément voulu laisser de côté la querelle des femmes et le modèle des femmes fortes parce que, comment dirais-je, parce que ça a été d'une part beaucoup étudié, cette question des femmes, de l'éducation, du savoir, et que je pense ne pas pouvoir apporter beaucoup à ce qui s'est fait sur ces questions-là. Mais ce qui m'a paru intéressant, c'est que ce sont les seules femmes, les Amazones ou les femmes fortes, qui peuvent se permettre de se décrire comme étant en colère. Et ça, ça m'est apparu tout à fait intéressant. Génie militaire. Ah, tiens, il faudrait peut-être m'expliquer plus, parce que j'ai regardé brièvement la journée que vous avez faite l'autre jour ou en février, je crois, et je pense que là, c'est moi qui aurais besoin d'informations. Oui. Pourquoi j'ai C'est vrai que la dernière fois, on a plus parlé de la figure de l'ingénieur que de la figure du génie militaire. Et c'est juste qu'en fait, dans la plupart des dictionnaires du XVIIe siècle, il y a une entrée spécifique pour la question du génie militaire, en fait, qui a l'air d'être une compréhension du terme de génie qui est vraiment acceptée, qui est en vogue à l'époque, qui est reconnue et qui constitue une spécificité de ce que peut être le génie.
Et à ce moment-là, c'est le génie militaire, c'est plus un art de, mais c'est un, c'est donc un une pratique, un savoir-faire qui est collectif et donc qui peut s'apprendre en fait. D'accord, dans ce sens-là, oui. Cela dit, pour moi, il n'y a pas de règles. Ces règles-là sont implicites. Ce savoir-faire, il est implicite et non pas diffusé ou et non pas, comment dirais-je, il ne s'apprend pas dans les livres, comme disent tous les manuels de civilité à propos de ce savoir-faire-là. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. On avait une réaction à chaud dans le chat de Cyprien Lannoy, hein, je la lis hein, effectivement pour toi Madeleine. Autour de ta question, on pourrait penser à Émilie du Châtelet, ingénieuse au sens de génie scientifique. Est-ce okay. que ça se peut, est-ce que ça se rapproche de ce que tu suggérais aussi? Parce que... Peut-être, j'avoue, je ne connais pas très bien la figure d'Émilie du Châtelet, mais en tout cas... Effectivement, si elle est, si c'est une femme scientifique, oui, ça va un peu dans le sens de ce que je dis, enfin, de ce que je propose, que le génie féminin serait, au XVIIe siècle, serait presque moderne et en avance sur ce que va devenir le génie masculin au XVIIIe, XIXe siècle. Mais bon, c'est un peu grossier, c'est comme ça. Ah ouais, je laisse la parole aux autres questions. Oui, effectivement, on a aussi un portrait. Cyprien, oui, allez-y. Je me suis permis de mettre un portrait parce qu'à la rigueur, ça me faisait penser au portrait que vous avez diffusé, sachant au début. Et donc, voilà, je le trouve intéressant. Et je pensais à Émilie du Châtelet, hein, qui a beaucoup travaillé sur les sciences. Du coup, ça faisait peut-être écho, Madeleine, mais j'interroge aussi Madame Desjardins, que j'en remercie beaucoup. Mais voilà, par rapport à cette réflexion sur l'ingéniosité, et est-ce que finalement... la possibilité du génie féminin fin 17e, 18e siècle, ce serait à la rigueur précisément dans les sciences, dans cette ingéniosité. Et je me permets du coup, puisque j'ai pris la parole de manière très incorrecte, est-ce que vous pourriez, Madame Desjardins, si vous l'acceptez, revenir un peu sur le rôle et le rôle de la nature, parce que vous l'avez précisé, parce que c'est une notion qui m'intéresse beaucoup au regard de Diderot, justement, et j'évoquais un peu la physiologie. Et vous dites que les conventions sociales relèvent de la nature. Oui. Mais justement, est-ce que le génie féminin doit être émanerait du fait de brider la nature, et vous évoquez la notion de passion, alors la passion, pas au sens original, hein, pas la passivité, mais au contraire, ça serait une nature débridée. Oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce rôle de la nature, s'il vous plaît, qui m'intéresse beaucoup? Que dire? J'en aurais beaucoup à dire là-dessus. C'est qu'en fait, cette codification sociale, pour moi, où ce rôle socialement construit, comme disent les études de genre, on la justifie dans un lien direct avec la nature. Ce qui me semble être moins le cas au 18e siècle déjà, et c'est, à mon sens, comment certaines qualités, défauts, vices, vertus, qu'on attribue aux femmes, et on pourrait se poser la question sur la longue tradition là, de ces qualités de modestie, de bienséance, de douceur, de patience, etc. Mais comment on les justifie au nom de la nature au 17e siècle? Voilà, les femmes sont faibles, voilà, la faiblesse entraîne certaines qualités, certains défauts, certains comportements sociaux. Et voilà ce qui m'intéresse, c'est ce lien direct entre la nature et cette représentation idéalisée de la femme auxquelles les femmes tentent de correspondre. Là, je ne dis pas du tout qu'elles souhaitent renverser, mais comme tout idéal auquel on veut correspondre, ça ne fonctionne pas toujours. Et ils tentent par des voies diverses en contournant ou en atténuant tout ce qui peut leur être défavorable. Voilà un peu ce lien. Mais les textes des médecins
Et je crois qu'il faut y revenir, s'appuyer. Bon, il faut dire que Curot de la Chambre n'est pas précisément un défenseur des femmes, là, hein? Bien au contraire. Mais comment, justement, les textes des médecins s'appuient sur la nature et on arrive à toutes sortes de caractéristiques et non plus de traits médicaux. Curot de la Chambre, Marin Curot de la Chambre, a écrit 2000 pages sur les caractères des patients. Et voilà, la femme est comme ceci, l'homme est comme cela. Voilà ce que j'aurais à dire là pour l'instant, oui. Merci. Merci beaucoup. Alors, on a encore 3 questions et ensuite, on fera une petite pause. Dans l'ordre, si je ne me trompe pas, on a d'abord donc Emma Gauthier-Mamaril, ensuite Marina Bastide-Dessoussa et ensuite Tessa Noun, du coup. Et ensuite, voilà, je serai obligé de clôturer cette première parenthèse pour pouvoir passer à la suite. Je vois aussi arriver dans le chat au moment où je dis qu'il n'y en a que 3, donc une quatrième intervention, mais bon. Voilà, je vais laisser pour l'instant la question de Maxime de côté. Maxime, je suis désolé, mais voilà, je venais de le dire. Enfin, voilà. Et en tout cas, voilà, donc Emma, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame Desjardins, et à tous ceux qui sont intervenus aussi, parce que j'avais des remarques après la communication de Madame Desjardins, mais maintenant, à la lumière des autres questions, elle s'est formulée en une question. Alors, c'est à propos du génie des femmes qui réside dans leur maîtrise de l'image de soi et de leur usage de la prudence. Vous avez bien cité Graciane à ce niveau-là. Mes premières remarques étaient, j'ai pensé tout de suite à la force civilisatrice des femmes qu'on retrouve chez Poulain de la Barre, notamment, mais aussi à ce façonnement de l'image de soi. Est-ce qu'on pourrait l'associer à la tromperie qui est aussi communément associée aux femmes? Est-ce qu'il y a un degré d'artifice là? Donc, ça, c'était mes premières remarques que je ne comptais pas nécessairement partager au début. Mais à la lumière des questions de Sacha et de Madeleine, en fait, je me demande si cette maîtrise de l'image de soi, mais de soi, l'usage de la prudence. On a parlé de savoir-faire, d'ingéniosité. Et je me demandais, en fait, si cette ingéniosité, ce génie des femmes, leur accorde une place plus importante dans les sphères sociales et politiques, justement, parce que c'est de l'ordre du savoir-faire où elles peuvent poser une action sociale. Et c'est peut-être à ce moment-là que le cardinal Richelieu trouve ça pertinent de se prononcer sur la nature du génie ou de l'absence du génie des femmes en matière de gouvernance. Donc, c'est même plus une question, mais c'est des remarques. Puis je fais des liens, je cherche à valider ces liens et à contribuer peut-être à la conversation à ce niveau-là. Je dirais 2 choses là-dessus. D'une part, pour moi, cette réflexion sur le génie est toute nouvelle. Comme je le disais, j'ai d'abord essayé de débroussailler un terrain. Et j'étais assez déçue de retrouver peu, voire pas, d'occurrences sur femmes et génie dans mes corpus à moi, là, je tiens à le dire. Et de retrouver très, très peu d'occurrences. Et oui, cette question de convention sociale, de modération. Je pense aussi, c'est ce que la critique en a fait, des femmes modératrices, des femmes spécialistes des bienséances, des femmes des salons, qui entretenaient donc cette civilité, voire ont inventé cette civilité. La critique en a fait très, très tôt et a étudié ces questions-là de femmes et de civilité. Et à la limite, comment dirais-je, cette question du génie, je me suis demandé ce qu'elle voulait, ce qu'elle signifiait pour le génie. J'aurais voulu retourner à ces questions de définition. Que veut dire pour une femme le mot génie?
que veut dire lorsqu'on associe les rares occurrences que j'ai trouvées, le mot génie à une femme. J'ai dit, c'est souvent pour la louanger, d'une part, dans des éloges assez, j'allais dire assez vides, assez topiques, là. Bon. J'étais très déçue de ne pas, si quelqu'un a des indices, je prends tout de suite, là. Hein, j'étais très déçue de ne pas retrouver justement l'équivalent ou à peu près de la citation de Gracian dans les manuels de civilité pour femmes. L'honnête femme, l'honnête fille, bon, etc., etc., que j'ai parcouru très, très rapidement, là. Et ça, ça m'a énormément déçue de voir, parce que souvent ces manuels-là sont adaptés de manuels de civilité réservés aux hommes. Et ça m'a extrêmement déçue. Donc, oui, une fonction sociale. En ce qui concerne la tromperie, ça, j'ai bien aimé votre question sur la tromperie. Je me suis posé cette question-là aussi. Tout est dans l'art, dit-on, hein, de la dissimulation. Donc, oui, se créer une image, mais en ne montrant pas qu'on est en train de se créer une image de soi qui correspond à un idéal. Bon, ça, je répète ce que j'ai dit ailleurs sur la dissimulation, mais ça me semble peut-être un élément important. Et ce qui m'a intéressée aussi, c'est de voir justement que la tromperie, l'artifice est généralement réservé aux femmes. Longtemps, je me suis dit, voilà, ce sont des manuels qui établissent des listes. Mais dans la pratique, mais voilà, je pense, ce que j'essayais de montrer, c'est qu'on retrouve dans toutes sortes de discours, là, ces questions-là, et que ces listes ont une plus grande portée ou une plus grande résonance qu'on le croirait. Oh, merci beaucoup. Pour rebondir très rapidement avant les prochaines questions, sur la question de la tromperie, de la dissimulation, je pense que ce serait intéressant de voir, justement, c'est un défaut qu'on retrouve aux femmes, oui. C'est une qualité essentielle qu'on leur attribue. Et pourtant, on voit justement, comme vous l'avez dit, avec la diminution du héros dans la deuxième moitié du XVIIe siècle, tout cet accent qui est mis sur l'atténuation de soi, oui. Ne pas faire preuve, oui. Un amour propre, etc. Il me semble que justement leur ruse, leur ingéniosité, pour y revenir, est ce qui est socialement accepté de plus en plus parce qu'il faut se dissimuler d'une certaine façon. Contrôler ses passions, ne pas se montrer trop héroïque, ça va de pair avec la diminution du héros, etc. Et donc, est-ce que justement, et je vais peut-être y revenir dans ma communication, mais se poser la question de est-ce que ce qu'on considère comme un défaut chez la femme éventuellement devient un savoir-faire qui est adopté à l'échelle de la société, de la civilisation, etc., pour revenir à cette idée de force civilisatrice? Oui, ben je crois que cette force civilisatrice est aussi par le langage, voire surtout par le langage. Je me suis intéressée beaucoup aux autoportraits, donc aux portraits que font les femmes d'elles-mêmes. Et il y a toute la question de la sincérité, même si je n'aime pas beaucoup ce mot-là pour le 17e siècle. Il faut être sincère. On ne peut pas se décrire comme étant douce si on est toujours en colère. Hein? Bon. Mais pour moi, c'est comment les femmes cherchent justement à atténuer, à montrer autre chose que cette colère, parce que cette colère est socialement peu acceptée ou peu acceptable. Voilà, j'essaie de faire bref, là je vois le temps qui file, c'est pour ça. Merci beaucoup. On a deux questions, elles peuvent être rapides, ce serait génial, sachant que de toute façon on est encore ensemble pour tout l'après-midi, et je suis certain qu'elles seront aussi pertinentes de toute façon tout le long de la journée. Voilà, donc c'était Marine Baptiste Soudard.
Oui, merci. Alors, j'aurais en effet une question très, très brève qui porterait sur une question de lexique, en fait, en vérité. Si j'ai bonne mémoire et que j'ai bien entendu, vous avez évoqué les vertus mâles. Il me semble que c'est avec Richelieu. Alors, en fait, cet emploi de l'adjectif mâle m'intéresse énormément puisque je l'ai vu dans deux livres complètement différents. Mm-hmm. Le premier, c'est Rousseau qui l'emploie dans La Nouvelle Héloïse où dans une des lettres au tout début du livre, il parle des pensées mâles. Donc, en fait, je trouve que l'emploi est assez étonnant puisqu'on se demande pourquoi pas l'emploi de viril. Est-ce qu'il y a une différence entre un genre ou un sexe, finalement, qui sont des débats actuels. Mais il y a un autre passage qui est très intéressant aussi, c'est à la toute fin du XVIIe. On va, pour décrire des femmes, évoquer la beauté mâle, qui est donc une expression qui me paraît oxymorique, surtout quand c'est appliqué à des femmes. Et qu'est-ce qu'on entend, en fait, par cet adjectif mâle dans la langue classique, en vérité ? Est-ce qu'il y a une différence avec viril ou est-ce qu'il y a vraiment une différence fondamentale? Ça, je n'ai pas regardé, j'avoue. Il faudrait regarder peut-être l'histoire de la virilité là, de Vigarello, mais qui s'intéresse beaucoup plus, voir s'il fait une enquête sur le lexique. Mais effectivement, vertu mâle, beauté mâle, ce sont des expressions qu'on retrouve beaucoup au XVIIe siècle, oui. Moi, ça ne m'a pas. C'est peut-être pour ça que ça ne m'a pas étonnée ou questionnée, mais en effet, c'est une excellente question, ça, de voir qu'est-ce que ça désigne, en fait. Et pourquoi y aurait-il des vertus mâles, puisque la liste des vices et des vertus renvoie d'abord à quelque chose de théologique, là, et non pas à des différences biologiques. Comment on en est venu à l'appliquer à une différence biologique? Je vous remercie. Merci beaucoup. Et donc, Tessa, si vous voulez bien terminer, on conclura ensuite ensemble cette première séquence, s'il vous plaît. Merci et merci beaucoup pour cette intervention. J'aimerais bien revenir à la citation de Rochefoucauld. Et l'opposition entre la bonne grâce et le bon sens. On voit souvent, surtout au XVIIIe siècle, l'opposition entre la grâce et la raison. Mm-hmm. Mais je me demande s'il y a aussi dans votre corpus un contraste entre la grâce et le génie. Parce qu'il me semble qu'on peut aussi, si on pense au génie un peu dans le sens schillérien, comme quelqu'un de naïf. Il y a pas mal de similarités entre la grâce et le génie. Mais aussi, est-il possible de penser à la grâce et la colère, l'excès des passions, parce que la grâce, c'est le manque d'artifice. Et dissimuler les passions, c'est l'opposé de la grâce, mais en même temps, souvent, on pense à la grâce comme un peu sans passion, sans colère. Ah tiens, la grâce, il faudrait faire des colloques sur la grâce aussi, puisque la grâce est un concept assez nébuleux, encore là, au XVIIe siècle. Il y a un article très, très récent d'Hélène Michon qui montre bien comment la grâce est à la fois théologique et esthétique. Hein, je crois que c'est dans les actes de PFSCL là, sur l'honnêteté, si ma mémoire est bonne, mais qui a réfléchi sur comment on passe de quelque chose, d'une notion essentiellement théologique, à une notion esthétique, avoir bonne grâce. C'est l'arythmée. Cela dit, j'ai déjà regardé certaines définitions chez Furtière et dans d'autres dictionnaires, et le concept est assez flou. Grâce, air, apparence, ça me semble une sorte de nébuleuse, mais la grâce est associée à quelque chose qui est plutôt naturel ou qui a l'air naturel, même si elle est construite.